Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Paladin. On va prendre cette fois-ci elle au pif. Au pif. Customize your champion. Pack de voix. The battle is about to begin. Vas-y, fais péter. Laisse entendre ta voix. On n'a toujours pas de tank, j'ai l'impression, on n'a que des dégâts. C'est assez étrange. On va bien voir si on est meilleur avec elle, tout simplement. Croc. Donc voilà, donc un MOBA très semblable à... Enfin, pourquoi je dis MOBA ? Parce que selon moi, la régène automatique, il y a beaucoup de mécaniques de MOBA. Littéralement, on va dire ça comme ça. Activez 9 vies, retirez les contrôles des dégâts périodiques qui vous affectent et soigne 500 PV. D'accord, de toute façon, je suis un peu obligé. Donc, ça, un dash qui fait des dégâts. Le A, je sais plus ce que ça fait. 9 vies, effectivement. Les temps de recharge sont réinitialisés. F, votre vitesse de déplacement augmente de 65%, vous sautez plus haut pendant 4 secondes, vous avez une compétence sauter. D'accord. Ok. Alors certains personnages n'ont pas les headshots qui fonctionnent, j'ai eu l'impression quand j'ai testé ça dans le WTG. Si tu le dis à tes souhaits. 5, 4, 3, 2, 1, and so it begins. And so it begins. D'accord, pourquoi pas. Ah la vache. Je fais pas attention à mes PV, c'est rigolo, mais... En plus, je suis en train de me lécher la moustache tout le temps. C'est chiant. Ok. Boum. Kaboum. Donc apparemment, il y a un pourcentage à prendre, comme d'habitude, en fait. Sauf qu'on se bat pour le point. Ok. D'accord, ça tombe assez vite, hein, vous avez remarqué? Les projectiles tombent assez vite. Allez pas chase, ça serait stupide. Je peux pas grimper là. Wow! Aïe! Je peux les péter? D'accord, je peux peut-être pas les péter finalement. La vache, il y avait une espèce de roc. Je crois que c'était un tank. J'essaye de voir à peu près quel personnage je dois toucher. Mais je crois... Vous voyez, elle a pas du tout l'aspect physique d'un tank de Overwatch. Mais je crois que c'était un tank, effectivement. Elle a dû placer, je crois, un obélisque au sol, de mémoire. Voilà. Dommage. Ok. Plancouille. Régène, c'est bon. Ah oui, mais ça fait gagner des points de vie la plancouille, c'est vrai, j'avais oublié. Ok. Putain, mais elle nous shot de par la fenêtre. Waouh, non. Non. Ah, il m'arrive un truc. Je sais plus c'est quoi son ulti. Putain, c'est une espèce de... Rampage. Ok. Ah,
Unstoppable. Ok. Ok, good night. Donc apparemment ça cache, ça obstrue la vision des ennemis, pardon. Je vais y arriver. Attention au tank. Ok. Overtime. Je suis mauvais. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Bon, on s'en sort pas trop mal. Apparemment, je suis à 12 kills. Je crois que c'est ça. Ce qui me fait penser que j'ai pas du tout utilisé mon pognon. Grosse tristesse. Motivation. Oh la vache. Grosse tristesse. J'aurais dû utiliser mon pognon. Non, je sais pas si je peux l'utiliser aussi. Oh là 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 là. Quand je ne meurs pas. C'est-à-dire l'utiliser d'en dehors de la base. Fou ! Compliqué. On y va. C'est pas si mal, hein. Ça change d'Overwatch. C'est assez rigolo. La seule chose qui me dérange, c'est le manque de charisme de beaucoup de persos, finalement, je trouve. Je vais tenter de flanquer, je connais pas la map, hein, je rappelle. Ok, oula. Il m'est arrivé un truc. Ok. La vache. Ah, c'est le tank. Loin d'avoir le fric. C'est con parce qu'avec le x12 j'ai dû avoir masse pognon. Et vous voyez, c'est des mécaniques que je n'ai pas. C'est des mécaniques que je n'ai pas. Voilà, j'attends la régène. Ok, attention, j'ai pas de régène. Voilà. Ok. On achète, je ne peux pas, voyez. Il faudrait que je meure pour pouvoir acheter, je pense. Ok. Victoire. Bon bah. Why not, hein, why not, why not. Une partie de 10 minutes. Donc tout à l'heure on a fait une partie, je pense, qui était à peu près de l'ordre d'un quart d'heure. Cette fois-ci 10 minutes, mais je pense que le fait... Pour vous servir. Votre serviteur pour vous servir. Bon. Voilà. Oh, c'était sympa. C'était sympa. Ok. Et je suis même pas dans les tops. C'est génial. Pourquoi l'XP non gagné?
C'est quoi l'XP non gagné? Accueil. On a 4 coffres à ouvrir, chers amis. Donc on va se permettre de les ouvrir un petit peu. Crac. Allons-y. Rare. Rare. Entailleur. Pause MVP, d'accord. Pour Willow, d'accord. Tout le reste, je l'avais. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de trucs. Ok. Intraveineux, pardon. L'activation de souffleur unique vous redonne 50 PV. Votre arme tire 5% plus longtemps avant de surchauffer avec... Pardon. Blah. Le seigneur de la foudre, ok, pourquoi pas. Je vois pas près quel joueur que c'est. Quel personnage que c'est. Gardienne, champ protecteur, vous récupérez 20 PV par champ. D'accord, ok. Vous subissez 2,5 points de dégâts pendant les armées attaquées, mais fin à la compétence. D'accord. Il y a des espèces de, vous voyez, de counterpart, de contrepartie. C'est pas mal, hein, j'aime bien le principe. La vitesse d'envol augmente de 5%. Les tourelles ont 175 PV supplémentaires. Pas mal ça. Alors faut savoir, c'est que le Torbjorn de ce jeu est un tank. C'est assez étrange, mais le temps de recharge de dégager est réduit de 1 seconde lorsque vous touchez une cible en l'air. Oui, je vois ce que c'est. Ça dégager, en fait, ça propulse une cible en l'air. Et il y a des moyens de faire des dégâts monstrueux à cause de ça. Champion 28. Donc, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est les cartes. Ok. Et là, ça explique d'où sortent les différents points. Donc, pour elle, au niveau des cartes, par exemple, j'ai l'argent pour me payer des cartes. Cambrioleuse, vous pouvez faire un troisième saut. Ça doit être complètement épique. Je vais la créer. On va essayer de faire des personnages un petit peu corrects. Désenchanté, c'est-à-dire. D'accord, je peux récupérer l'argent. D'accord, ok, pourquoi pas. Alors maintenant, il faudrait que je vois si je peux pas avoir... Track. Ok. Ça, c'est craqué aussi, ça. Ça, c'est bien aussi. Donc, il y a moyen de faire un personnage, en fait, full assaut, du coup. Exemple. Nouveau deck. Là, imaginons, je prends... Assaut. Il faut que je le crée, ça. Pourquoi je pouvais pas tout à l'heure? Assaut. Vous voyez, track, 9 vies. Donc du coup, je vais peut-être optimiser la survie une fois que j'ai mis ça. Avec 9 vies, et peut-être un autre 9 vies. Ceci, je pense. Il permettra d'avoir plus de régène. Et donc là, je peux mettre des points. D'accord, ok. 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 Sauvegarder. Est-ce que je peux le renommer? Oui, ici. On va l'appeler... Assaut survie, voilà. Ok. Et maintenant, on pourrait aller tester le même personnage, du coup, dans le mode classique. Et voir ce qu'on peut en faire. On a encore largement le temps. Mais c'est intéressant, ce principe. C'est drôlement intéressant, bien plus que ce que je pensais. L'aspect... customisation personnage, même si l'aspect carte pour moi n'est pas véritablement intéressant, vu que finalement il parle de cartes, il parle de deck, c'est surtout des, je dirais, des plus des glyphes finalement que des, enfin bon, c'est mon avis, mais du coup ça peut être intéressant. Alors oui, parce que vous voyez, elle a plusieurs têtes. Ça vous semble pas logique, mais moi si.
Ça, par exemple, n'est disponible que grâce à des promotions spéciales. Dommage. Et au niveau de ses costumes, elle a que des costumes identiques. Voilà. Alors, c'est un peu ça que je veux que... Que je trouve pas mal, hein. C'est... Finalement, il y a très très peu de choses. Si tu veux. Hop. Ah, pourquoi on est en ennemi 1, ennemi 1? Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. On y retourne, donc les chutes du jaguar. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de maps que dans WoW? C'est une excellente question, je ne saurais vous répondre pour le moment. Et donc du coup, forcément... Je prends ça. Avec le nouveau deck qui n'a pas été sauvegardé. Voyons voir. Donc un deck full clic droit, hein, je précise. Et donc je me servirai de 9 vies pour récupérer. Ok. Et donc là j'ai accès à plus de choses. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Ok, intéressant. Intéressant. Il y a moyen de faire des choses à mon avis. Vous voyez, j'ai pas pris en compte les cartes qu'on a pu voir ici. First blood. Nous savons tous ce que c'est. Ok. Ok. Ils ont pas l'air méga offensifs. Ils ont pas l'air méga offensifs du tout. J'ai pas eu le kill. Régène. Ah la vache. J'ai pas activé 9 vies, je devrais peut-être, hein, je le fais pas. Est-ce que c'est vraiment viable? Ok. Oh la vache, il en restait un. Putain. Enemy killing spree. Pourquoi une espèce de flamme? D'accord, c'était la série, j'imagine. J'ai l'impression que cette map est bien plus compliquée que les autres finalement. Vous voyez, j'ai pas finalement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Ok. Ok.
Ah la vache. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un petit peu d'argent. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. 45% par contre, ce serait vraiment épique. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bon. Apparemment, c'est parce que je ne suis pas on fire. C'est possible aussi. Si elle me râle dessus, c'est parce que je ne suis pas on fire. Point spawning in 15 seconds. I brought you a present. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Cette fois-ci, on fait le café. D'accord, il y a du monde qui arrive. Ok. Voilà. J'ai moins de PV qu'avant ou c'est moi? Je croyais en avoir 2000 tout à l'heure. Il a été obligé de ult. C'était son ult ça. Ok. Eh, ça se passe bien hein. Je veux pas dire hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ok. Je back. Ok. J'ai waste. Ok. Ok. Victoire. Bon. Je sais pas si le set était bon. Pour moi, il m'a semblé efficace, hein, clairement. Maintenant, voilà. Voilà. Excusez-moi de faire le taf, hein, comme on dit. Voilà! Excusez-vous. Et je ne suis toujours pas là! C'est quoi ce bordel? Je fais des POTG de la mort qui tue, mais je ne suis pas là. Niveau 5, GG. Niveau 2 pour la maîtrise de Maeve. On a un coffre. Bah écoutez, on va aller l'ouvrir. On va pas s'emmerder. Crac. Et on aura eu que dalle intéressant pour Maeve. Vous rechargez 10% plus vite que pendant la coquille terrestre, pardon. Passez sous 15 points de santé réduit de 160 ans le temps de recharge de Liane. Qu'une fois toutes les 30 secondes, je pense. Hein. Bon héroïque octroi, plus 5% de vitesse de déplacement pendant 2 secondes à l'atterrissage. D'accord, pourquoi pas, je ne l'ai pas trop compris. Ok. Et donc voilà. Collection féline et ça coûte du vrai pognon. D'accord, ok. Bravo. Et tout ça, ça coûte du vrai pognon. D'accord. Cela dit, pourquoi pas, c'est malin. Hein. C'est malin. Ouais, pourquoi pas. Oh, il est sympa celui-là, dis donc. Ça fait très très Gundam, j'aime beaucoup du coup. Monture, tiens, je suis curieux de savoir ce qu'il y a. D'accord, il n'y a qu'une seule monture.
Alors je sais pas, vous voyez c'est marqué bêta. Je suis curieux. C'est curieux, je trouve ça curieux. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.